bah, on est toujours en direct de Cierques-les-Bains en Moselle. Voilà, sur le plateau de TV Thérapie. Maintenant, si je fais des petits Larsen, c'est normal, hein, parce que je fais de l'interférence avec EHF. Voilà, je suis avec Princesse, vous la reconnaissez, pour les habitués de la chaîne, pour les autres aussi qui sont derrière. Après, on tournera les caméras, on les verra. Avant qu'ils partent, là, on va prendre deux invités, là, tout d'un coup. Deux invités. D'abord, le premier, avant qu'ils partent. On peut dire que c'est un partenaire déjà actif. Hein, on peut dire qu'il est vraiment partenaire de la chaîne parce que c'est non pas au niveau sponsoring, mais au niveau du matériel, si on peut dire, et des locaux. C'est l'assurance Groupama. Ah, il faut les citer. Alors, il va venir. Il va venir. Voilà. Il va se mettre. Tu vas laisser ta place. Bah voilà. Tu vas venir à côté. Voilà. Tu prends un micro. Voilà. Et tu fais pas la timide ce soir. On t'entend pas ? Ah bon. On va lui confier un micro aussi à la main parce que je vois que le son a baissé, non ? Ah, c'est parce que j'ai baissé le mien. Alors, eh ben on va prendre son prénom d'ailleurs. Ah bah c'est Laurent. Laurent, oh, je n'entends pas beaucoup. C'est Laurent. Voilà, c'est Laurent. Et Laurent représente ce soir la société. La société de Groupama, donc à Cierques-les-Bains, sur la place du marché. Et je peux dire qu'ils assurent bien parce qu'on est chez eux et ça assure pas mal. Hein, parce qu'il faut assurer le matériel, il faut assurer les locaux. Et puis c'est une bonne assurance. Quoi. On ne parlera pas de prix, parce que les prix sont intéressants. Ils vont dire, je fais de la pub ce soir. Donc voilà, et donc on espère quand même participer, Laurent, avec pas mal de projets pour la suite. C'est le but, hein, pour une chaîne comme la vôtre qui se donne les moyens de réussir. Je pense qu'on peut mettre des moyens en œuvre pour réussir aussi pour vous. On est là pour vous. Eh ben ça, c'est génial, ça. Donc, Groupama, oh là, si je mets les mains, voilà. Groupama, basé à Cierques, d'ailleurs, c'est sur la place du marché à Cierques-les-Bains, toujours en Moselle, donc pour ceux qui ne sont pas du coin, hein. Intéressant. Et juste sur le plan manifestation, Groupama a déjà des sponsors sur la ville actifs en ce moment. On a des sponsors, on sponsorise notamment beaucoup les manifestations sportives, que ce soit au niveau du VTT ou pas mal d'associations. Niveau télé, pour l'instant, on n'est pas encore trop développé là-dedans, mais ça ne saurait tarder. Vu ce qu'on a autour de nous, quoi. Eh ben, c'est impeccable. Eh ben, Laurent, on va te souhaiter un bon retour. Hein. On sait que tu as un petit peu de route à faire, c'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est à 40 km d'ici, mais je tenais à remercier la chaîne de nous avoir conviés. Et je souhaite plein de bonnes réussites et le meilleur. Eh ben, c'est impeccable. Voilà. Eh ben, Laurent, on te rend ta liberté, on reprend les micros. Voilà. Ok. Princesse, tu peux reprendre ta place, on t'entend pas beaucoup ce soir. Hein. Non. T'avais pas de questions? Ouais. Ah bah voilà. Bah bonne soirée. Merci. Voilà, toujours en direct. Vous voyez, ça c'est du vrai direct, comme dirait Drucker. Coucou, nous revoilou. Dans la variété. Voilà, on est avec Fred. Hein. Voilà, Fred. Fred que tu connais bien. Tout à fait. T'as travaillé avec Fred. J'ai eu le plaisir de travailler il y a un an. Ouais. Et c'est l'auberge Saint-Vincent que t'as présenté à l'instant. Fred, bonsoir. Bonsoir. On va lui laisser un micro à la main d'ailleurs. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors le Saint-Vincent, c'est une belle histoire aussi, ça. C'est bien, c'est une histoire depuis 9 ans. Ouais. Depuis 9 ans, et puis là, on promouvoit les produits du terroir, et puis on espère qu'avec une télé comme la vôtre, on va pouvoir développer encore plus le terroir cirquois. Rebooster le terroir. Ah, il y a des très bonnes choses sur Cierques. Hein. Alors moi, j'étais surpris, parce que moi, je suis revenu à Cierques il y a 4 ans, ça vous le savez pour certains. Et j'ai découvert un truc que j'ignorais, la tome. La tome du pays, oui. Il y a beaucoup de producteurs locaux avec qui on travaille. Donc on transforme leurs produits, soit des fromages, des viandes, des légumes, des choses comme ça qui sont produits dans le terroir. Et donc on travaille avec plaisir avec ces producteurs locaux. Et donc chez vous, la grande spécialité, c'est, j'ai remarqué, et ça j'adore, c'est tout ce qui est charcuterie maison. Voilà, on produit nous-mêmes nos charcuteries, les pâtés, les jambons, les saucissons, etc. Les fromages voilà, de tête, exact. Hein, t'en as vu. Hein, hein. Particularité Saint-Vincent, c'est le cadre aussi. Le cadre, oui, le cadre typique auberge, ouais. Avec vue sur la Moselle, ah, sur voilà. Les vignes.
et puis tout ce qui va avec. Quoi. Et justement, le vin, c'est dans la région. Le vin de région qu'on promouvoit aussi à travers la carte des vins, donc pas mal de producteurs locaux, très intéressants et qui se développent, ils créent des nouveaux produits, des créments, des choses comme ça qui ne se faisaient pas avant. Et aujourd'hui, ben, on a des nouveaux produits qui sont assez intéressants à découvrir. Ça, c'est pas mal. On a passé un petit sujet, là, d'ailleurs, qui passe encore en ce moment. C'est la foire au vin à Rodemack. Hein. On avait rencontré des viticulteurs de Comte-les-Bains, je crois. Oui, c'est ça. De Comte-les-Bains, qui faisait un vin qui était excellent, un petit blanc. Hein. Ça ressemble un peu à des Auxerrois, des Rivanaires, des choses comme ça. C'est tous des vins de cépage. Hein. Ouais. Ce n'est pas des vins d'assemblage, c'est des vins de cépage avec des producteurs très, très sympathiques et qui sont prêts toujours à faire découvrir un peu leur production. Quoi. Ouais, en tout cas, c'est pas mal parce que la région a un terroir assez, assez riche. Hein. Et d'ailleurs, il y a un marché du terroir ce vendredi à Cirque-les-Bains. Ah, ben voilà, c'est intéressant à savoir. Donc je vous donne rendez-vous donc mercredi, c'est ça ? Vendredi soir. Et Nocturne du terroir. Et au marché du terroir à Cirque-les-Bains. Et je crois que ça se répète assez souvent d'ailleurs, cette opération. Oui. Donc on y sera aussi, je pense, parce qu'il y a de bonnes choses à découvrir. Voilà, moi je vous donne encore une fois donc, l'adresse de l'auberge Saint-Vincent. Donc c'est quai des Ducs de Lorraine, si je me mémoire est bonne. Hein, c'est à Cirque-les-Bains. Alors n'hésitez pas à y aller. L'ambiance est géniale, l'accueil est magnifique. Hein. Hein, toi, tu faisais partie de l'accueil à un moment. Voilà, équipe sympathique. Ah ouais. Voilà, ah, les serveurs sont aussi. Et puis la cuisine est excellente. Il n'y a pas à dire. Voilà, Fred, on te souhaite une bonne soirée. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, merci, au revoir. Je te redonne la parole, ma grande. Mais oui. Alors, ça te rappelle des souvenirs, tout ça, hein ? Beaucoup. Hein ? Des beaux souvenirs, cuisine, restauration. Toi, tu as fait des grands hôtels, je crois. Oui. Ouais. T'as fait, ben, d'ailleurs, l'Auberge Saint-Vincent, c'est aussi un grand restaurant, entre parenthèses. Ouais. Hein. Mais tu as fait, toi, des grands hôtels dans la région de Tours. Oui. Tu as fait des châteaux de la Loire. Oui. Les châteaux du Loire. Oui. J'avais fait... C'est pas mal, ça. L'Univers. Ouais. Alors, entre parenthèses, en parlant de la Loire, on va donner un bonjour à tout le monde, à Sandrine. À Dédine ? Oui, à Sandrine. À Sandrine, si elle nous regarde. Qui c'est qu'il y a d'autres encore là-bas ? Sandrine, il y a Karine. Non, Karine. Ah, Karine est partie à Angers, bon bah voilà. Et tous nos amis du Mans, parce qu'il y a beaucoup de gens au Mans. Oui. D'ailleurs, en parlant du Mans, Fred fait une très très bonne rillette, entre parenthèses. Oui. Et elle est Lorraine. Excellente. Et elle est Lorraine. Voilà, nous on est toujours sur l'antenne de TV Thérapique. C'est toujours l'inauguration TV Thérapique ce soir en direct de Cirque.